Ça va? Plus pour longtemps, mais ça va aller. On est presque arrivé. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise? Je vous montrerai. Joël, donne-moi un coup de main. Oh. Attends un peu. Relève-toi. T'approches pas d'elle. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeunes? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie, c'est notre seule chance. Et... c'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vus. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une bonne idée. De la merde, je vais pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène... Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Oh. J'ai entendu les tirs, mais... c'était quoi? Les lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi, je te suis. Par ici. Dépêche-toi. Oui. Où est-ce qu'on va? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? Donne-moi une minute.
Ce tunnel, vous faites du trafic dedans? Oui. Des trucs illégaux? Parfois. Et une gamine, ça se fait? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censé faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, hey, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt? Ouais. Allons-y. Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission? Marlène voulait le faire elle-même. On n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Attends au point de rendez-vous. Elle a dit que des Lucioles avaient fait le voyage depuis une autre vie. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? La fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, c'est ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit. Et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème.
vérifier. Bougez pas, il y a une patrouille dans la proche. Ok. C'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. J'ai peur. Je suis vraiment dehors. Par là-haut. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Merci. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée! Qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez! Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Putain, j'ai 2 soldats morts. Je répète, suivez-moi. J'ai 2 morts. Vite. Dans le secteur de l'eau. Ok, quand je te donne un signal, on court. Signal, on court. Figé. Vas-y, cours. Je les vois. Ils ont dû réussir à passer. Vérifiez les tranchées. Restez derrière moi. Pas rien du tout ici. On est sûr qu'ils sont passés par là? Sauf ordre contraire, on poursuit les recherches. Attention, faut pas qu'ils nous voient. Allez, Ellie. Suis Joël. Oh, t'as vu ce truc? Thank you.
Tu vois quelque chose? Ouais, c'est comment, j'ai peur. Pour l'instant, c'est bon. Ça doit être des enfants et du ciel qui le vendent. On aura bientôt fini avec eux. Tant pis, les tacteurs se chargeront d'eux. On peut passer par là. J'arrive. Ils sont nombreux par ici. Comment on va faire pour passer? Ils nous ont pas encore repérés. Faisons le tour. Ça donne quoi? Ils sont trop nombreux. J'ai entendu aussi, fais gaffe. Qui est là-bas? Non! J'en voulais! Derrière moi! Travail de pro. Ne perds pas! Je les vois pas. T'as un visuel? Négatif. Ouvre l'œil, mec. Oh!
par ici, allez. Tess, tu sais par où il faut aller ? Comment changer ?